Hop, bonjour, j'espère que vous allez bien les amis. On est reparti pour l'épisode 5 de la quête du master. Cette fois-ci, on va jouer Anna. Ah, j'espère que l'épisode va vous plaire. Il a été fait en live comme tous les autres. Donc rejoignez le Twitch et le TikTok. Voilà, tout est dans la description. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire pour me dire quel perso vous voulez voir et si vous avez aimé la vidéo. Voilà, sur ce, je vous souhaite de passer un bon moment. Voilà, et je vous dis à la prochaine. Ok, Rodog, Ramatra, il y a Diva, j'ai cru voir. Oh, ça touche! Ouf! Hop! Eh, mon ref, t'es un peu go-in et. Comment dire? T'avais pas les points de vie avec, hein? Oh, le mur, il est encore plus tarif. Aïe, mais ça fait mal! Oh, vise mieux! Ah, ça, c'est sûr, comment on est positionné. Le Rodog, il nous fait la misère. J'ai pas compris pourquoi le Doomfist, il était purple, il bloquait. Il a réussi à survivre par n'importe quel miracle. Et à place de punch et de back, il a décidé de go in. C'est bon quand même ce qu'il fait. C'est bien. C'est bien. J'aime beaucoup. Même si là, le Doomfist est mort, mais c'est pas grave. Ok, il y a une Zarya, on l'a entendu. Alors on laisse une vieille dame faire tout le boulot. Putain, il s'est fait purple. Nickel. Je te couvre. Cible repérée. Oh, je vous avais voir. Mais je ne me bats pas pour moi. On a utilisé quoi 3 ults. Franchement, c'est worse hein. Pour avoir fait un team kill. Oh, c'est trop chiant, on l'a pas endormi. Genre là, c'est la passe libre. Ok. Oh là 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 là. Le boulot. Il a été où? Franchement, elle est carrée la partie. Hein. Franchement, elle est bien. Ah, déjà, ça c'est pas bon. C'est pas forcément placement, on est bien placé là. Pourtant, je la tenais. Hein. Chez Yann, bon. Là, il faut back fast. L'autre qui va faire mal. Oh la bulle. Casse les couilles. Oh putain, on n'a pas réussi à la heal. On est vraiment en noob. Oh là là. Oh, ce flip.
Eh. On a senti le C9. Hein. J'ai entendu des bruits de pas. Au début, j'ai entendu le Rodog. Je pensais avoir le Rodog en face de moi. Mais le petit Baptiste là, il allait nous la mettre à l'envers. Hein. Hein. Oh, il y a trop de laser. Une seconde près. Y'a personne qui veut break ce putain de shield de là. Tant que c'est vos alliés qui font les erreurs, c'est pas grave. Mais c'est surtout vous et moi, en l'occurrence, qui font pas les erreurs. Adversaire neutralisé. Là, je jute à ton nul juste pour la fin. Là, je sais que le singe, il veut ma peau, là. Une piqûre et ça repart. Oui, pas. Oh là là. Bon, c'est très simple. On est sur Chambali. Hop, la compo 3 tanks, 2 heal parce que on est en flex, bien évidemment. Voilà, on tag. Voilà, sur Chambali. Hop, on sait que les mates vont être là. On prend les infos au début pour savoir y a quoi comme ennemi en face. Le but, c'est vraiment avec Ana être au plus loin. Oh là 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 là, ce slip. Voilà, avec Ana. Faut vraiment être loin, pas être trop proche des fights et pouvoir jouer de la distance comme grand atout. T'es un sniper, tu dois servir tout ça. Oh putain, failli le mettre, hein, mais donc là par exemple, le fait qu'on s'est mal positionné, qu'on a raté notre slip, tout ça, ça a permis au Rodog, tu vois, de me hook. Alors que là par exemple. Voilà, là je soigne. Hop, tac, je fais ça. Là, normalement, ce que j'aurais dû faire, on a l'info que notre Doomfist est mort. Notre Diva. Non, c'est pas notre Diva, on n'a pas de Diva. Notre Doomfist est mort qui était à droite. On a vu notre Amatra, mais je crois que j'avais pas capté que c'était le mien, c'est pour ça. Qui était derrière, qui est là d'ailleurs, voilà, qui est là-bas. Je montre à l'écran comme si vous allez le voir. Hein. Eh, regardez là-bas. Là, vous voyez. Voilà. Là, ce que j'aurais dû faire, c'est me positionner sur la gauche. Sur la gauche du payload. Parce que regardez. Est-ce que en face de moi, il y a des gens pour soigner? Non. Il y a des ennemis. Le Ramatra me regarde même pas. Il n'y a que le Rodog. Et le Rodog, il va en faire qu'une bouchée de moi. Hein. C'est un bon pic, hein. Donc le fait qu'on s'est mal positionné et qu'on n'était pas bien derrière les tanks, voilà, même s'il y a deux tanks, il y a un tank à flanquer et l'autre qui est mort, mais on doit se réfugier derrière le troisième pour pouvoir rester en vie. Donc là on heal malgré la distance. On va rester sur le point pour le faire avancer. Voilà. Donc là je suis en train de heal un mec qui est anti-heal. Même s'il est... Ouais, bon, pas. Ramatra qui est déjà sous ult.
qui a besoin de heal. Hop, nano boost et hop, ça carry le fight, je peux vous l'assurer. Voilà. Là, je sais que derrière mon Doomfist, il est en PLS. On va réussir à le soigner. Hop. Là, le petit slip. Plus vous êtes proche de votre allié, de votre ennemi, plus c'est facile de slip. Aussi, on avait Nade le Ramattra. Comme ça, il avait un boost de soin. Parce que la Kiriko était sur... sur le Ramattra pour le soigner. Donc ça aussi, c'était un bon truc à faire. Hop. Le soin de le dodo en poil trop tard. Donc là, endroit très serré, comme je le disais sûrement tout à l'heure. C'est très chiant ici, c'est très renfermé. Beaucoup de fights perdus dans cette zone là. Un truc important quand il y a une grave de Zarya, que ça soit la vôtre de Zarya ou la grave de Zarya adverse, c'est la nade. Essayez de nade dans les gravitons. Alors là, on a attendu pour nade parce que la nade ça heal. Hein, et vu qu'ils avaient beaucoup de points de vie, la nade, non, ils en avaient pas besoin pour tout de suite. Voilà, s'il y aurait eu un gros burst de dégâts, et ben on aurait pu directement nade nos alliés. Sauf que là, pour le cas, on n'en a pas eu besoin. Kitsune, là, ça use des compétences et tout. Kitsune plus Rodog. Voilà, on a été reculé un peu à cause de Rodog adverse. Voilà, on purple et on soigne aussi. Là, on voit notre Kiriko qui est un peu dans le mal. Là, le slip. En fait, vu qu'il a été hook, on va mourir, je crois. Vu qu'il a été. Non, même pas. Oh là 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 là. Incroyable. En fait, vu qu'il a été hook, ça a été considéré comme un dégât ou à moins qu'il ait tapé en même temps. Donc, c'est à l'instant réveillé. Mon Belek. C'est pas grave. Hop, là aussi on n'a pas pu le slip, malheureusement. Et je crois qu'on gagne là-dessus. Voilà, on kill la. Voilà, Anna, elle est kill. Et il n'y a pas le temps pour retoucher le point. Bon, on prend la hauteur. Voilà, un peu d'arrière. On heal, on essaye de shifter comme un pro. Voilà. Là, on voit que l'équipe commence bien à back. Donc, nous, on doit back vraiment. Au début, pour vraiment prendre leur ligne, la nade, hop, voilà, ça a soigné et ça a purple quelqu'un. On essaie de la soigner, mais malheureusement, trop de dégâts. Là, c'était pas notre shield. Là, on se prend des dégâts, mais c'est pas grave. Notre but, c'est de soigner. Est-ce qu'on va, on va contest. Tous les jours, on conteste. Et là, pourtant, on peut le voir. Pourtant, on peut le voir, hein, sur les replays, hein. Avec toi, continue de te battre. Là, mon curseur, il est vraiment bien sur... bien sur la Junker Queen. Hein. C'est elle qui est venue. Hein. Mon curseur, il est vraiment bien. Oh, là, c'était honteux. Là, c'était honteux. Allez, oh là là là, ce slip. Je suis déchaîné. Oh, je l'aime, mais wesh, c'est quoi ce slip? Mais c'est incroyable. Regardez, là on prend l'information qu'il est à droite du payload et nous on se dit mais si je mets mon curseur à gauche du payload et que je slip. Ah ouais. Allez, boum. Je suis déchaîné. Alors là me demandez pas, c'est mon sixième sens. Donc là on se met là juste pour que la Kiriko respawn plus vite. Ainsi on a l'opportunité d'aider nos supports, hein. Même si vous jouez pas support, que ça soit une Mercy ou une Kiriko, où ça permet d'aller plus vite le respawn, il faut le faire. Bon, comme je l'ai dit dans la game, là ce qu'ils ont fait, là les deux, que ça soit, c'est quoi, c'était qui, le Rod et la Junker Queen, là ils ont fait une énorme erreur, hein. Ils ont fait une énorme erreur. On vient de perdre le point. On a perdu le fight pour le point. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès qu'ils ont respawn, ils ont voulu aller sur le point. Alors que c'était mort. Le temps que tout le monde respawn, tout ça, ça servait strictement rien. Et le fait de cela, c'est qu'ils ont respawn tout derrière. Le temps qu'ils reviennent, c'était encore plus long. Et bah, le payload, il a avancé. Bah, beaucoup. Enfin, le Kitsune, quand tu joues Anna, c'est impressionnant. Hein.
Mais évidemment, il y a encore ce Ramattra qui nous embête. Hein. On essaye de soigner à travers les murs, mais tu vois, c'est un peu compliqué. Là, on a soigné et on a un peu endormi le cadavre de Winston qui avait pas demandé beaucoup. Là, c'est un peu obvious. Ils vont passer à gauche. Là, passer à droite, c'est un peu tricky. Voilà. Mais évidemment, on n'a pas le Wallach, donc on sait pas. On sait que tout le monde a un peu ping dessus. Hop. Free nade, free sleep. Voilà. Le Rodok va y aller. Et on prépare le nano boost au cas où. Là, on recule au cas où si le monkey nous saute dessus. Et là, mais la nade plus le nano boost, ça peut carry le fight. Et là, le. Juste à nous deux là, on a carry le fight. Les autres, les trois autres, je sais pas ce qu'ils ont fait. Hein. Là c'était pas beau. Hein. Là, c'était vraiment pas beau. Là, le slip, c'était pas beau non plus. On peut pas être parfait. Hein. Ça existe pas. Là, elle a ult, elle s'est fait counter, c'est dommage. Mais on a réussi à counter sleep. Pas counter sleep, à purple. Donc là, c'est le dernier fight. Hein. Donc là, c'est le fight de la victoire. Hop, on s'est fait hooker, on est encore en tenue. Tac, hop, ça soigne, ça purple, ça tape. Hop. Ça recharge et ça retape. Voilà, purple par-ci. Quand on n'arrive pas à taper, à viser, bah on mêlait bien évidemment. On recule un petit coup parce que j'ai quand même eu peur. Parce que le monsieur il aurait pu nous rush à la figure. Et là, le Rodog qui nous lance son meilleur écarisseur. Et bah, c'était tout simplement incroyable. Voilà, franchement, cette partie, il y avait tout. On a pu voir des grosses erreurs, des petites erreurs et des choses bien. Voilà. Bien évidemment. Et c'est le GG. Effectivement, c'est le GG. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. N'hésitez pas à venir comme les gens ici présents, là, sur Twitch. Voilà, tout est dans la description. Voilà, et je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Et à la prochaine. Allez, bye tout le monde.